We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. We still have for you a cultural show. In a moment, la fin de cette cérémonie d'ouverture officielle approche, mais nous avons encore une surprise pour vous. Un artiste va nous rejoindre sur scène, va me rejoindre sur scène pour ravir nos oreilles, un pianiste, un compositeur. Et c'est aussi un chef d'orchestre. Et puis c'est un entrepreneur. Un entrepreneur et un conférencier qui joue du piano depuis l'âge de 14 ans et qui a gagné son premier concours de piano à 14 ans. Il a joué ses premiers concerts à Paris à l'âge de 18 ans. Il a participé au concours Chopin. Le plus important concours mondial. Il a joué en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Il a été sur les planches des plus prestigieuses salles de concert. Il y a peu, avec son épouse, il a subventionné un prix. Il est avec nous aujourd'hui à Katowice et il va nous jouer trois œuvres. Avec une œuvre de Wojciech Kilar, une polonaise, la polonaise en la majeure de Chopin. Il nous parlera aussi de l'importance de l'éducation musicale pour les jeunes, pour nous tous en fait. Nous tous qui vivons dans un monde numérisé, un monde d'intelligence artificielle. Ingolf Wunder. Ingolf Wunder. Thank you.
Thank you so much. Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today in Poland at the IGN. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici en Pologne à Katowice, de participer à cette IGF 2021. Je suis heureux de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Les sujets liés à la numérisation me tiennent à cœur. Je voudrais dire quelques mots aujourd'hui sur l'importance de la musique et de l'éducation musicale dans un monde numérique, dans un monde d'intelligence artificielle, de numérisation. Nous sommes entourés par la technique. Nous vivons dans un monde où nous sommes stimulés en permanence par des outils technologiques. Nous avons tous ou presque des smartphones. Et cette époque fait que nous sommes de plus en plus connectés les uns aux autres via divers appareils. Comme vous pouvez le suspecter, je suis musicien, mais ma femme et moi avons aussi une entreprise, une start-up. On s'occupe, c'est une entreprise technologique liée complètement à la numérisation. Et je remarque à quel point la technologie affecte la vie des gens, pas forcément négativement d'ailleurs. Il y a des divers bénéfices que l'on tire de la technique. On peut partir du principe que l'intelligence artificielle va influencer toutes les zones, tous les aspects de notre vie. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons être bientôt en contact avec des contenus audio-vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si on ne dort pas. La transmission va être de plus en plus rapide. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que dans notre esprit, nous avons diverses. On a un conscient et on a un subconscient, n'est-ce pas? Et pour ce qui est de notre conscient, la rapidité de la transmission des données, c'est entre 40 et 100 bits par seconde. Pour ce qui est de notre subconscient, là, les informations, elles circulent encore plus rapidement. Ce qui signifie que notre cerveau peut, de manière consciente, se concentrer sur plusieurs choses à la fois, mais notre subconscient, lui, il absorbe tout ce qui nous entoure. C'est une machine de traitement de données absolument ahurissant. Tout ce qu'on entend reste dans notre subconscient et ça veut dire que les contenus auxquels nous sommes exposés nous alimentent en permanence. C'est le cas avec le son, c'est le cas avec la musique aussi. Vous savez, même si on ferme on peut se boucher les oreilles, on entend toujours des sons. Mais avant de réfléchir aux liens qui existent entre la musique et la technique, il est bon de répondre à une question de base, à savoir pourquoi la musique et les sons sont aussi importants pour nous, pour nos âmes, pour nos corps aussi, pour nos organismes. Eh bien, parce que les sons, c'est ce que nous traitons le plus vite. Et donc, c'est avec une grande facilité que nous traitons les sons, que nous traitons la musique. La musique, elle influe, elle affecte nos sentiments. Elle nous permet de nous concentrer, elle nous fait ressentir des émotions.
mais elle, elle a aussi une influence directe sur la manière, sur notre bien-être au quotidien. Parce que la musique, c'est une affaire de fréquence, n'est-ce pas? Or, si on réfléchit un peu à ce dont est composé nos organismes, eh bien, on va répondre assez rapidement que notre organisme, c'est des cellules qui ont des fréquences. Quand on parle onde, fréquence, on parle onde. Scientifiquement parlant, la musique peut avoir une influence physique, biologique, sur nos organismes, directement. Ce que nous vivons va influencer notre vie, notre ressenti, notre bien-être. Ce que nous entendons affecte directement la manière dont fonctionne notre organisme, la manière aussi dont l'ADN va coder les protéines qui elles-mêmes vont constituer les cellules dont nous sommes constitués. Des cellules meurent tous les jours et sont remplacées par de nouvelles cellules. Ces nouvelles cellules sont directement altérées par la réalité personnelle. Quand j'ai la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça a été un choc pour moi, une surprise, mais le fait est qu'il est prouvé scientifiquement que les sons qui nous entourent nous sculptent en tant qu'être biologique. En tant que musicien, j'en ai conscience et je peux dire que l'influence qu'a la musique sur notre corps est absolument ahurissante. Plus meilleure est la musique que nous écoutons, meilleures seront les modifications apportées à notre organisme. La musique est porteuse d'émotions, elle est porteuse d'informations aussi. La musique nous transmet des informations par les sons. Que nous soyons musiciens ou pas, d'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour tous. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Il est prouvé scientifiquement que la musique influence, a une importance pour notre qualité de vie. Alors, puisqu'on sait ça, eh bien, pourquoi écouter de la mauvaise musique une fois qu'on sait ça? Vous savez, il y a des musiques qui sont pauvres. C'est un peu comme on parle de malbouffe. Eh bien, la malbouffe, c'est aussi mauvais que la mauvaise musique et inversement. Personne n'aime la malbouffe, à part les enfants de 7 ans, mais ça passe normalement avec l'âge. Eh bien, vous savez, la question maintenant, c'est ce qu'il faudrait savoir écouter pour être, ce qu'il faudrait écouter pour être en bonne santé. Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre objectivement. Vous savez, les goûts et les couleurs, c'est comme on dit, c'est quelque chose qui ne se discute pas. C'est pareil avec la musique. Qu'est-ce qui est de la bonne musique? Qu'est-ce qui est de la mauvaise musique? C'est une question, bien évidemment, éminemment subjective. Donc, à chaque fois, ils entendront quelque chose d'autre. Donc, c'est une question subjective. Mais il y a aussi cette strate plus objective, celle qui peut être mesurée, analysée de manière scientifique. Donc si nous prenons en compte ces deux strates, ces deux couches, et nous les plaçons à côté l'une de l'autre, sur cette base, nous pourrons tirer des conclusions au sujet de la qualité de la musique que nous écoutons. Malheureusement, au XXe siècle, on a eu affaire à une baisse de qualité de la musique, ce qui a mené à une situation où des milliards de gens ont affaire à de la musique de mauvaise qualité. Je ne parle pas de genre concret, parce qu'on peut avoir d'excellentes chansons pop, et de mauvaise musique classique aussi. Mais, comme je le dis, nous avons de plus en plus affaire à de la musique de mauvaise qualité qui a une influence sur notre sensibilité, la sensibilité de milliards de pays dans le monde. C'est quelque chose à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Nous devons assurer aux milliards de pays, de gens dans le monde entier, on devrait leur assurer un accès à de la musique de bonne qualité. C'est un objectif très important qui s'inscrit dans l'objectif numéro 3 de développement durable qui concerne le bien-être et le bon état de la santé, ainsi que
l'objectif numéro 4 dans l'éducation de haute qualité. Donc nous savons que la musique a une influence sur notre organisme et nous savons que la musique de haute qualité a une meilleure influence sur notre organisme. Mais qu'est-ce que ça va avec la technologie? Nous sommes maintenant sur un carrefour technologique. Tout change. La technologie a de plus en plus d'influence sur notre vie. En vérité, elle est utilisée par des milliards de personnes dans le monde entier. Nous disons très souvent que très bientôt, il n'y aura plus de différence entre les gens et les machines. Pensons à l'intelligence artificielle, par exemple, qui dans le futur pourra peut-être composer de la musique personnalisée pour nos besoins. On n'aura pas à apprendre de telles compétences de choix. L'intelligence artificielle qui nous aide à nous faire traiter médicalement, on n'aura pas ou qui nous assiste dans les questions juridiques. Ça, c'est des bénéfices qui nous attendent dans le futur. Ça peut plaire à certains. Il y en aura qui seront tout simplement forcés d'utiliser ce type de service. En ce qui concerne la musique, nous devons donc nous poser la question de savoir ce qu'est la qualité et qui va décider de cette qualité. Est-ce que c'est nous qui allons décider de la qualité, la façon dont nous sentons, ou ça sera l'intelligence artificielle? Alors, nous devons réfléchir à savoir comment faire en sorte à ce que des milliards de gens dans le monde entier recouvrent cette sensibilité qui leur permet de discerner la qualité, les différences de qualité. C'est quelque chose sur quoi nous devrions nous pencher et essayer de trouver des solutions. Dans le passé, c'était absolument l'opposé. Donc, les gens perdaient leur sensibilité. L'art avait de moins en moins de différences, de teintes différentes, de couleurs. Ce qui veut dire que nous ressemblons de plus en plus à des machines. Nous voyons que la technologie se développe, que l'intelligence artificielle devient de plus en plus accessible et commune. Et à un certain niveau, les machines n'ont pas besoin de nous. Elles se débrouillent très bien d'elles-mêmes. Donc, si nous voyons que les gens deviennent de plus en plus semblables à des machines, et en même temps, la technologie se développe de plus en plus, nous remarquons que nous avons affaire à un problème sérieux. Mais bien sûr, comprenez-moi bien, je considère que la technologie crée d'énormes opportunités. Et je pense que la technologie peut nous aider à nous développer, aussi dans le développement personnel. Non, on ne peut pas faire de faute ici, parce que la question de la musique ici est une couche qui n'est pas encore suffisamment bien exploitée en ce qui concerne les changements auxquels nous avons affaire. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde où la malbouffe est perçue comme la manière la plus raffinée de se nourrir. Je pense que nous devons veiller à former, à sculpter notre sensibilité pour qu'on devienne de plus en plus humain, qu'on puisse créer de l'art et de la musique qui sera remplie par le naturel. Et ces sensibilités. Dans la musique, comme dans d'autres sujets, les questions de valeur et de qualité sont très importantes, mais aussi les questions relatives à l'éthique. Heureusement, il y a les start-up, telles que notre start-up, par exemple, qui se penchent sur ces questions. Nous voyons que la technologie se développe très vite, donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons très peu de temps pour agir de mieux en mieux et pour fonctionner de mieux en mieux dans cette dimension humaine. Je dois dire que très sincèrement, je suis quand même optimiste, surtout en tant que musicien, parce que je considère que la musique de haute qualité peut jouer un rôle important dans ces changements, dans ces évolutions. Je regarde les jeunes de manière optimiste aussi, les jeunes gens, parce que je considère que l'éducation musicale leur permet de faire former en eux une sensibilité qui fait que les jeunes gens, et dans le futur aussi les personnes adultes,
auront une approche plus sensible du monde qui les entoure. Je pense que l'éducation musicale est extrêmement importante, pratiquement aussi importante que l'éducation en matière de finance, d'ingénierie ou de mathématiques. C'est une valeur ajoutée en vérité, et je pense que les matières du groupe STEM, c'est des choses importantes. Mais à cela, nous devrions ajouter encore les questions de l'art, dont la musique. Donc nous devrions parler pas seulement des objets de groupe STEM, mais aussi STAM, A comme art en anglais. Nous devons veiller à notre sensibilité et former chez nos enfants une curiosité naturelle. Je pense que dans le futur, nous pourrons regarder dans le passé et voir si dans la période où nous sommes maintenant, nous avons réussi à trouver une place digne dans ce monde plein de technologies, ou est-ce que quelque part l'homme s'est-il perdu? Nous devons le souligner. Encore une fois, la qualité, la valeur et l'éthique, c'est des questions que nous devons prendre en compte dans ces domaines qui sont perçus communément comme des questions et des territoires subjectifs. Je pense que nous pouvons exploiter la qualité de la musique pour former en nous de l'empathie et pour devenir plus heureux et en meilleure santé. Et en vérité, c'est de ça qu'il s'agit dans notre vie. Je vous remercie de votre attention. Merci la Pologne, merci Katowice. C'est un grand plaisir de pouvoir prendre la parole devant vous.